surprise, vous le savez, ils sont là, ils sont sur ce plateau. Il s'agit de Student Lounge. Tiens, on en parle avec nos invités. D'abord, les musiciens qui sont là, qu'on va vous présenter dans quelques instants. Et puis, nos trois invités sur ce plateau. Madame Wassila Silarbi, bienvenue à vous, Bonjour. chargée de la communication de l'ambassade des États-Unis en Algérie. Nous avons avec nous également Madame Marissa Scott. Enchantée, Welcome. Même si vous merci. parlez français, vous êtes conseillère aux affaires culturelles au sein de l'ambassade des États-Unis. Attachée culturelle et Attachée éducative. culturelle. Bienvenue à vous. Et puis Merci. nous avons avec nous Monsieur Nourdine Bouhatem. Vous êtes directeur général adjoint de l'agence algérienne pour le rayonnement culturel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis les musiciens. Hello. Hello. Ça va un peu, hein, doucement. Ça va? Welcome. Welcome to Algiers, welcome to Algeria, welcome to our program. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous avons avec nous Elisabeth. Bienvenue. You are the single. Nous avons avec nous également Marc Thomas. Marc Thomas. Hello, bienvenue. Chad Michael. Yes. How are you, Michael? I'm Good. Michael is dead. Die, dead, keep it. Dad, yeah. Taylor, ouais, vous parlez français. Oui. C'est super, bienvenue à vous. Merci à vous. Merci, c'est un plaisir. Allez, un mot peut-être sur d'abord la première question, et puis juste après on vous écoutera. Sur ce concert-là, sur la tournée, dans quel cadre entre cette tournée des Student Loans en Algérie? Oui, je veux parler Madame Marissa? un peu sur la musique. La musique est une langue universelle et elle transcende la race, la culture et aussi la politique. Oui. Pendant les spectacles, nous avons vu les jeunes et vieux touchés par la musique. Nous voyons le présent du groupe Student Loan à Alger comme une forme de diplomatie, c'est-à-dire le meilleur type de diplomatie. Nous tenons à remercier nos partenaires, l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel et aussi le ministère de la Culture pour faire cette tournée possible. Et surtout, nous tenons à remercier tous les Algériens qui se sont exprimés pour soutenir les bandes. Sans vous, nous n'aurions pas pousser à rendre ce programme se produire. Merci. Alors, tout un programme, effectivement, avec plusieurs dates, Alger et Annaba, on en parlera tout à Oui. l'heure. Monsieur Nourdine Bouhatem, peut-être un mot sur cette collaboration avec l'ambassade des États-Unis, le rôle de l'agence pour le rayonnement culturel. Bon, disons que cette opération-là s'inscrit en droite ligne dans la politique développée par le ministère de la Culture à travers ses institutions sous tutelle, donc entre autres l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel. Et ceci marque une forme de collaboration entre l'État algérien et les représentations diplomatiques qui sont ici à travers des échanges culturels. Donc l'agence a pour rôle de promotion, diffusion de la culture algérienne à l'étranger et l'accueil des cultures étrangères. Donc, ce groupe-là est venu nous exposer un peu une forme de culture musicale américaine qui s'est produite avec le public, près du public algérien. Et les musiciens ont très bien constaté qu'il y a un très grand répondant, un échange. Il y a eu une fusion entre nos jeunes musiciens, parce qu'ils se sont présentés au d'abord au niveau de l'Institut supérieur de musique, où ils ont eu contact avec nos étudiants de l'Institut. Il y a eu un grand échange. Il y a eu du shabi, il y a eu du banjo de part et d'autre. Ils ont chanté ensemble, ils ont joué ensemble, des échanges d'instruments. Et je pense c'est fabuleux d'arriver à concrétiser ce type d'échange et de cette dynamique entre artistes venant d'origines différentes, développement des modes de communication musicale différentes. Et c'est ça le. Et ça donne ça. Et ils sont avec nous. D'ailleurs, on a vu ce reportage de Mansab Bachtarzi qui vous a bien présenté quand même, hein, qui a raconté un peu votre histoire. Vous avez raconté très bien d'où vous venez également. Vous parlez bien, hein, en fin de compte. Ouais, You speak very j'espère. good. Oui, j'espère. Allez, on revient à vous dans quelques instants. On parlera également du pourquoi, du comment. Le choix des student loans. Comment s'est fait le choix des student loans? Parce que c'est un groupe au genre de musique traditionnelle typique des États-Unis. Pourquoi Qui pas? représente bien les États-Unis? Oui. Eh ben, super. La différence de la musique dans les États-Unis. Nos invités sur ce plateau, Elisabeth. Hello. Toujours avec nous, Marc Thomas.
Il est où, lui? Ah, il est là? Chad. Ah, you are Chad. Où est Marc Thomas? Where is Marc? In the kitchen. Ok, d'accord, très bien. Taylor, ah bah, vous nous avez rejoint sur le plateau. Nous avons avec nous également Monsieur Nordin Bouhatem, directeur général adjoint de l'Agence pour le rayonnement culturel, l'Agence algérienne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Marissa Scotch, conseillère. Alors, attaché culturel au sein de l'ambassade des États-Unis et Madame Ossila Larbi, chargée de la communication. Merci beaucoup, Ossila Silarbi. Merci beaucoup encore une fois pour cette invitation, d'avoir accepté notre invitation. Alors, que va-t-il se passer sur Alger? Il y a eu le concert du Palais de la Culture. Oui, à Naba et autre concert ce soir à Palais de la Culture. Ce soir aussi? Oui. Au Palais de la Culture, le retour, c'est le match retour. Comment ça s'est passé pour vous? C'était très très bien passé, un énorme plaisir pour nous de jouer pour des plusieurs gens. À Naba, on avait une audience, je pense, environ 1000 personnes. 1000 personnes? Oui. Oh, c'est cool ça. Et c'était fabuleux. Fabulous. Ouais, fabulous. Fabulous, yeah. Quand on vous a dit que vous allez venir en Algérie, vous avez dit quoi? Quand on est venu voir les student loans? Les audiences, ils nous ont dit quoi? No, what was your reaction when you were told you are going to perform in Algeria? Je parle pour tout le groupe. Maintenant, nous étions tous, on avait hâte de voir ce pays. Ah bah c'est super, en tout cas vous êtes là. Vous avez pris beaucoup de plaisir? Est-ce que vous pouvez traduire ça? Fantastic, fantastic. And playing in Algeria. Playing in Algeria, eating in Algeria, more than anything. Ah oui, hein. Quel chèque intérêt. On peut jouer en Algérie et manger en Algérie. Manger en Algérie. On vous invite à nous faire un petit quelque chose? So? Taylor. This is a song that Chad wrote called Maidan in Bad Weather. I just can't get you off of my mind. Je sais pas, je me croyais dans une vieille ville, des vieilles contrées américaines. C'est où? Vous venez d'où déjà? Boston, Chicago, Los Angeles? Non, pas Los Angeles. Je vis actuellement à New York, mais je suis grandi dans le sud de Californie. Chad est de Virginie du West. Et Elizabeth, elle grandit dans l'Ohio. Vous repartez quand? Demain. Ah, c'est déjà fini. Ce soir, ce sera au Palais de la Culture. C'est ouvert à tout le monde? Oui, oui. Tous? Je vous rate? Pas d'invitation? Les enfants aussi. Les enfants aussi? Les petits aussi. À quelle heure? À 19h. À 19h, au Palais de la Culture, les Student Loans. C'est l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel, l'ambassade des États-Unis, qui vous invite, et l'ambassade des États-Unis, qui vous invite à ce concert avec ses quatre musiciens, Elisabeth, Marc, Chad, Taylor. On aura des autres musiciens algériens qui va nous joindre sur scène. Vous les avez rencontrés ici? Oui. Ah, lors des masterclass, des échanges avec les musiciens? Oui. Entre autres. Un mot, Madame Marissa Scott, sur ce fameux concours. Oui. Donc, nous avons lancé un concours pour les Algériens qui sont intéressés par produire une petite vidéo sur le climat. Toutes les informations, tous les détails concernant ce concours sont disponibles sur le site internet de l'ambassade. Oui. Et nous avons fait une même expérience l'année dernière. C'était sur un autre sujet, la démocratie. Nous avons eu 3 Algériens qui étaient semi-finalistes. Donc cette fois-ci, nous changeons de sujet. Ça sera, ce sera le climat, ça tombe très bien avec Copenhague. Et d'ailleurs, effectivement, nous attendons tous l'intervention de Barack Obama qui a promis d'y être pour les derniers jours du sommet qui se déroule à Copenhague. En tout cas, on suivra l'actualité. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci.